you know what it is. Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, je suis pas seul, je suis avec Rania comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Et la chaîne de Rania sera normalement en description. Normalement. Voilà, normalement, hein. Si une certaine femme, n'oubliez pas de la mettre en description. Bon, comme vous le savez, je devais donner à Rania 1000 euros. Pour qu'elle puisse acheter des sapes avec. Et dans les sapes, je devais aussi lui prendre une caméra. Et étant donné que la caméra que je voulais lui prendre et lui acheter, elle faisait entre 700 et 800 euros, Rania a eu une chance extraordinaire. C'est vrai. Et pour aller remercier mon pote Geekmap. Ouais, grosse bise à toi. Voilà. Mon petit Pierrot. Voilà. Donc, j'explique un petit peu aux abonnés. Pierre, c'est une personne qui s'y connaît super bien en caméra. C'est vrai. Alors, je lui ai expliqué un petit peu, je lui ai dit, écoute, pour la petite Rania, j'ai voulu lui faire plaisir et tout, je voulais lui acheter une bonne caméra. Est-ce que tu connais une bonne caméra vraiment entre 800 et 1000 euros à peu près, une bonne caméra? Il me dit, bah écoute, moi j'en ai une. Bah je lui ai dit, écoute, tu me la vends, je te l'achète. Il me dit, non, pas besoin, j'ai des caméras, je te la donne. J'ai dit, bah parfait, donne-la-moi comme ça, bah je la file à Rania. Donc, il m'a donné cette caméra-là, un Lumix. Elle est vraiment extraordinaire. Il y a deux batteries avec rechargeable, enfin... changeable, pardon, donc si t'as une batterie que tu utilises, tu peux mettre l'autre à charger, et quand le test décharge, tac, t'enlèves et tu mets l'autre, tu vois, et comme ça, t'as toujours tes caméras. Autre petite chose, elle a le support de charge, donc elle a tout. Il lui manque un truc avec la caméra, le petit micro Rode en haut, voilà, c'est tout ce qui lui manque, et ça, bah je vais lui prendre, voilà. Donc, elle a sa petite caméra, il lui manque juste un petit micro Rode, et c'est parfait. Yeah. Autre petite chose, les sapes donc que je lui ai acheté parce que je vous les ai pas montrées pendant qu'on était à Marseille. Je lui ai acheté tout d'abord ce t-shirt. Maillot de l'OM, vous avez vu. Yeah boy. Je pense que là c'est extérieur. Donc avec les petites lumières et tout. En mode... Yeah, en mode c'est la ville de Marseille. Et Le survêt aussi. Ouais. Après, le survêt. Attends. Oh. Petit survêt, croco, tu connais les bails. Je sais pas. Voilà donc survêt, croco. Et franchement. Je pensais pas, même elle est rentrée, parce que elle kiffe de ouf le Lacoste. Ouais. Elle rentre, elle me dit, ouais, ça va, ouais, c'est bien au niveau des prix. Je lui dis, comment ça, c'est bien au niveau des prix? Oh, vous savez comment ça coûte le survêt pour elle? Je vais te tuer. Non, mais ça sera coupé au montage, c'est pas grave. C'est Biggie. C'est pardonnable. C'est pardonnable. C'est Biggie, c'est pardonnable. Non, alors oui, le survêt pour elle... 140 euros. Putain, alors que c'est la petite tête. Une nouvelle collection. Il est pris pour même pas. Ouais, aussi, on a pris la nouvelle collection. C'est même pour 140 balles. Mais ah non, quoi que non, regarde, elle avait lancé une collection à côté, 130 euros. Hein. Peut-être parce qu'il est rouge. Bah, je sais pas. Je crois que ça coûte plus cher. En tout cas, ils abusent. Alors. Moi, j'en rachète un. Il y a quoi aussi que je t'ai pris du coup? Je t'ai pris. Je t'ai pris quoi aussi? Mais elle en rachète un. Toi, tu vas arrêter de dépenser tout ton argent. Parce qu'elle commence déjà à bien commencer YouTube, ça commence à rapporter bien, elle commence à dépenser tout son argent dans la sape. Et elle, c'est que la sape, la sape, la sape, la sape. Et si je l'arrête pas, t'es dans la merde. Et le pire, c'est que si je lui offre, par exemple, un survêt Lacoste, comme j'ai fait plusieurs fois, tu lui offres quelque chose, elle va quand même vouloir dépenser ce qu'elle voulait dépenser. Genre, elle part à Carrefour ou à un centre commercial avec l'idée de dépenser pour acheter. Oui. Donc, si tu lui achètes... Bah, elle va quand même acheter. Voilà, donc ce qu'il faut faire en fait, c'est que tu la laisses bien vider son argent. Voilà, et là, après, elle pourra plus acheter. Et là, tu te dis, c'est cool. Elle va plus dépenser, parce qu'il n'y a plus rien à dépenser. Non, mais ça va, là, j'en rachète un. Il y a ça, ça c'est moi qui t'ai acheté ça? Oui, ça c'est toi. Donc, je vais acheter ça. Il est très gentil parce qu'en fait, il fait quoi? Pardon, je suis en train de montrer. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Bon, voilà, le petit maillot de la Youve. Il est trop beau. En fait, c'est vraiment. Il y a une petite tache, je crois. Ouais. En fait, genre, tu vas pour acheter. Et là, tu sens plus ta carte dans tes mains. Non, parce que je lui prends la carte, parce que, bon, je lui ai offert, voilà. Et je devais t'offrir 1000 euros dans tous les cas. Donc, c'est pour ça que je te prenais ta carte pour pas que tu dépenses. Et c'est moi qui te le prenais. Après, c'est normal, ça faisait partie du défi. Il y a ça aussi. Il est trop sympa, ce mec. Il y a ça. Ça, c'est le bas. Le bas Marseille, donc qui va avec, le haut. Je vais avoir un beau petit boule avec. Il y a. Ça, parce qu'elle a le haut, le short et même la paire de chaussettes. Yeah!
Il y a quoi encore? Il y a les chaussettes de Marseille aussi, que tu vas mettre juste après, je pense. Ouais, quand je vais me mettre en pige, histoire. Voilà. Il y a... Ça, c'est moi qui te l'avais acheté, celui-là. Oui, ça, c'est toi. Survêt Real, le haut et le bas. Bon, ben, le bas, il est là. Et le bas d'Arsenal aussi, je crois, l'ensemble Arsenal. Et le bas d'Arsenal, je lui ai acheté aussi l'ensemble Arsenal, mais je crois qu'il est en haut. Voilà. Attends, donc c'est lui qui l'a acheté, Arsenal, c'est bon. Non, c'est toi, je crois. Oh, je sais plus. On rappelle même plus. On s'en fout, je pense. Ouais, on s'en fout. Bref, voilà. Haut, bas du Real, la canette que je t'ai achetée, tu me crois, tu l'as même pas bu depuis Marseille? Je disais que le sac il était lourd pour des amis aussi. Hop! La Juve! Tu t'es pas dit le sac il était lourd? Oh là, moi aussi je posais la question, je dis y'a rien. Hop, je te range ça. Real Madrid. La canette elle était gonflée dans le sac, frère. Ouais, hop! Et les paires de choux, je te les mets tout en haut comme ça, après quand tu te changes, tu peux les mettre. Mais pas une canette? Et voilà! Petite caméra, beau gosse. Ah, j'ai quelque chose. Tu vas être bien. Bon, bon, franchement, c'est pas le but de la vidéo de savoir si une canette de coca périme ou pas. Trop du cul. Non, mais vraiment. On est en vidéo pour montrer tes affaires. Il me demande si est-ce qu'une canette de coca ça périme. Non, mais. Ça périme pas, je crois. Tu peux lui répondre, s'il te plaît? Je crois que ça périme pas. Ferme ta gueule. Ah ouais, tu le suis? Non. Voilà. Bonsoir. Bon toutou. Connasse. Bon, voilà donc du coup ce que Rania a eu pour l'instant. Donc. Je lui ai offert un peu plus de 300 euros d'affaires. Attends, attends, il y a la veste aussi dedans. Quoi, quelle veste? La veste du banc. Du Lacoste. Ah, la veste du bas Lacoste, oui, que j'ai oublié. Donc voilà, elle a eu sa caméra et elle a bien esquivé. Hein, parce que normalement, le budget, il devait tout partir dans la caméra pour elle et pour... Le budget, il va partir dans la sop. Ouais, le budget, t'as de la chance, hein. Eh oui, mais t'as de la chance, parce que attends, le budget devait partir dans la caméra pour qu'elle puisse travailler. Regarde, attends, le micro c'est quoi? 400 balles? 400 balles? Ouais, à peu près. Non, 200 balles. 150 balles, 150 balles. Putain, le reste du budget, mon pote. Alors, dans la sape. Voilà. Le haut Lacoste. Yeah! Yeah! Y'a une beau gosse là qui s'habille tout en Lacoste, ça rigole le pas. Le reste, hein. C'est dans la sape. On va acheter le micro et le reste. Allez hop! Hop là, ben ça. Voilà, en tout cas la famille, si vous voulez savoir un petit peu le défi qu'elle avait, donc gagné, bah... J'ai pas gagné, je t'ai racketé, c'était pas vrai. Ouais, c'est... ah non, c'est vrai que tu as pas gagné. C'était du racket. Sale merde. Oui. C'était du racket pur et dur. Ah oui, chez moi, en plus. C'était du racket. Ouais, je me suis fait... Mais attends, mais elle avait pas gagné la carte. Voilà, ouais, ouais, bah c'est ce que je viens de me dire aussi, là. Moi, voilà, je croyais encore que t'avais gagné un défi, sale merde. J'avais oublié que tu m'avais racket. Et en fait, tu m'as bien niqué, parce que tu m'as racket normalement pour acheter une caméra. Mais t'as eu une caméra à 800 euros offerte. Oui. Ça veut dire, les 1000 euros, ils sont pas partis dans la caméra. Ils sont partis dans la sap, là. Oui, après le micro, et après le reste, dans la sap. Après, tu sais, avec les 1000 euros, tu peux aussi m'offrir un ensemble. Hein. Oui, on s'achètera le même. Ouais. Tu peux m'offrir un ensemble, hein, aussi. Ça me ferait plaisir. Hein. Ça serait gentil. On s'achète le même. Ça serait vraiment cool que tu m'offres une sap avec mon argent. Oui. je te donne le reste du budget pour aller te saper, si tu veux. Allez. Parce que ça a l'air compliqué en ce moment. Oh, c'est méchant et c'est gratuit. C'est méchant et c'est gratuit. Bref, la famille, en tout cas, on voulait vous montrer à peu près ce qu'elle a pris. Donc voilà, elle a pris à peu près un peu plus de 300 euros de sap. Donc il lui reste, on va dire, à peu près 700 euros. Le micro rod d'un côté dans les 100, 150 euros. Donc il va lui rester un bon petit budget pour la sap. Voilà. Bref, prenez soin de vous et de la Mifa. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Gros crâne. Oui, c'est moi. Allez. Jamie.